générique. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est générique si beau qu'on aime tant. Ah ouais, tu m'étonnes. Chantonné par moi-même, quoi. Eh oui, chantonné par toi-même. Et top bug de cette semaine, c'est le top bug que vous avez, pour lequel vous avez voté pendant toutes les vacances. Yes. Donc il y a 5 bugs de classés. Il y en a un qui sort, c'est le bug de la Jamaïque. C'est dommage, c'était un bug un peu vacances, la Jamaïque, tout ça. Ouais, mais fini la Jamaïque. Voilà, il sort. La Jamaïque. J'étais en ma Jamaïque. Jamaïque, voilà, la Jamaïque. Tu nous parlais d'un morceau que tu avais enregistré avec le crew Major Lazer. C'est ça, ouais. C'est ça. Enregistré avec lui, où ça, Romano, aux States? J'étais en ma Jamaïque. En Jamaïque. En Jamaïque. En Jamaïque. C'est pas mal là-bas. Hein. La Jamaïque, oui. Ouais, fume des wines. C'est joli, ouais. J'ai quelques séquelles. Eh ouais, mais vous savez que on est tellement drogué en Jamaïque que quand on a fumé plein de wines, on n'arrive plus à dire le nom du pays. Ah, c'est dur. Eh oui, tu te retrouves en Jamaïque, t'es avec des Jamaïques. Avec des Jamaïcains, des Jamaïcaines. Et ça sort du top bug, la Jamaïque, qui était classée juste avant qu'on parte en vacances et à notre retour de vacances, c'est-à-dire cette semaine, se retrouve dehors, c'est bien triste. Ah, j'étais en ma Jamaïque. Eh oui, mais tu es revenu de Jamaïque. Ah ouais, bah ouais, je suis même jamais allé. C'est ben voilà. À part dans ma tête. Donc numéro 5 maintenant, on passe au top 5 du top bug. Les 5 premiers du top bug cette semaine, ceux que vous avez choisis, puis vous pouvez réagir et nous dire ceux que vous préférez. Hein. Est-ce que Usain Bolt ne serait pas Jamaïcain? Hein, ouais. Une question qu'on nous pose sur SMS, Charles. Ah si, si. Ah, Usain Bolt est Jamaïcain. Il vient de Jamaïque. C'est intéressant. Bon, on passe au cinquième, l'entrée de la semaine. Écoutez bien, numéro 5 du top bug cette semaine, c'est tout nouveau, vous l'avez classé 5e. Mardi, synonyme de traduction de nouveaux bugs tout à l'heure. Ah, ça, c'est super, Romano. Tu vas pouvoir nous parler en langue étrangère. Avec ma langue. C'est la tienne à toi. Comment? Ouais, elle s'appelle comme ça. Ah, c'est le nom de la langue. La faut postillonner un peu pour les. Eh ben, bonjour. C'est pas facile à dire. Avec le micro est tout mouillé, dis donc. C'est quoi? C'est ta langue? Oui, c'est le nom. Le nom de la langue. Quoi. Si on va faire... je sais pas, par exemple, on parle le chinois, le japonais. Et toi, c'est le... Moi, je parle le... Quand j'ai été en Jamaïque, j'ai parlé le... Voilà, c'est numéro 5 cette semaine dans le top bug. C'est l'entrée de la semaine. Numéro 4, toujours dans les langues étrangères. C'est très... c'est normal, c'est les vacances. Hein, on revient de vacances, tout ça. Et ouais. Langues étrangères numéro 4. Direction au nord, là, vous allez voir. Quatrième du top bug. Nice. Oui. Nice. Nut. Qui se traduit par Nut. Nice Nut. Toulouse dit Nut. Quand elle a vu ta photo, elle a fait. Suédois, là, non? Toulouse dit Nut. Toulouse dit Nut. Voilà, donc ça, c'est du suédois. Après un séjour à Ikea, il a appris à parler le suédois. Eh ouais, je connais le nom de tous les meubles. Oui, les meubles. Ah, bah ça, c'est fort. Tu connais le nom des meubles? Non, non. Non, mais t'es malade. Donne-moi un nom de canapé. Attends, merde. Allez, un canapé Ikea, vas-y. Ah, il n'y a pas été pendant les vacances. Si, non, mais il y a Clapstra. Karlstad. 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 Krastad. Non, Kradstad. Krad. Je veux dire le canapé Krad. Karlstad. Ouais, mais c'est imprononçable. Le R, il avant le D, je crois. En tout cas, ça commence par un K-A. Karlstad. Ok, c'est bien noté. Et donc là, on était en suédois et on disait. Salut, tu vas bien, tranquille. Tout simplement. Salut, tu vas bien, tranquille. Salut, tu vas bien, tranquille. Et tu leur fais donc tout douce minutes. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple à dire. Évidemment, Marie. Oui, mais c'est en suédois, Marie. On va dire comme nous. Bah non, c'est sûr. Ils sont pas comme nous, les suédois. Tout douce minutes. Ils s'assoient sur des canapés crades, tout ça. Ah ouais. Bon, aussi. Numéro 4. Non, non. Le suédois. Avec une place de gagné par rapport au dernier classement d'avant les vacances. Numéro 3, l'ex numéro 1. Numéro 1, donc juste avant qu'on parte, il a perdu 2 places. Mais que s'est-il passé? Ah oui, c'est cassé la gueule. Une chute de 2 places qui l'amène à la 3ème position. 3ème. Après le petit bel, on a plein d'autres choses à écouter. Qu'est-ce que t'écouterais bien, Romano? Matt Jean Lazer, il veut. T'as réussi à comprendre? Ah oui. Ouais, j'aime bien lui. Ah ouais, c'est Major Lazer. C'est vrai qu'il dommage, est bon, il est plus premier. C'est Major Lazer. J'aime bien quand on annonce les titres qu'on passe sur Skyrock. Et puis c'est tellement clair. Peut-être qu'on passera ce soir Major Lazer, on verra. Bon, j'espère. C'est numéro 3. C'est Major Lazer, il est 3ème. Numéro 2. Encore là. Oh là là, 2ème avec une place de gagné par rapport au dernier classement. 2ème retour de la secte. Ah. 2ème du top bug. Toujours là, c'est le plus vieux bug du classement. La secte.
C'est normal, je me suis caché. Oui. Après, donc. C'est la secte. Ah, tu l'as expulsé ou quoi? Voilà. Après la visite de la secte, c'est dur d'enchaîner. Et oui, la secte Chu qui est toujours. Eh ouais, fait flipper sa race. Fait flipper après les vacances. C'est numéro 2. Voilà, c'est Chu. Numéro 2. Et une place de regagner après une chute avant les vacances. Et attention, numéro 1. Et le numéro 1, on le découvre ensemble. Quel est le bug que vous avez préféré? Celui pour lequel vous avez le plus voté pendant toutes ces vacances? Numéro 1 du top bug. Si, pendant les vacances, des fois, j'étais un peu solo, mais bon. Ah ouais, c'est clair. Mais... J'aimais bien. Tu parlais à ton ex Beuillant. Et vous avez pas vu la gueule qu'il a fait, hein. T'as eu un smile à l'envers quand tu faisais On aurait dit, tu sais, les bébés quand ils chient dans leur couche. C'est vrai, oui, un peu. Et voilà. Ouais. C'est l'âne Beuillant, donc, qui est premier. Ça m'a ému, hein, de parler de lui. Il est mort. Ah bah oui, il est mort, ouais. Il est mort. Ah bah ouais, désolé, je vous apprends cette mauvaise nouvelle. Il est en pâté d'âne. L'âne Beuillant, il est mort. En pâté ou un saucisson d'âne. Il a été bouffé, chié, enfin la totale. Ouais, ouais, là, ouais, il est foutu. Il est foutu, l'âne Beuillant. Terminé, quoi. Et ouais. Beuillant, gnang, 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 gnang. Et voilà. Rest in peace, Beuillant. Ben, rest in peace, rip à toi, Beuillant. N'importe quoi. C'est numéro 1, donc, l'âne Beuillant. Il est bien aussi, l'âne Beuillant. Il est pas mal. Un beau classement, ça. Vous avez fait un beau classement cette semaine. Récapitulatif rapide. Numéro 1, donc. Beuillant, gnang, gnang, gnang. L'âne Beuillant. Numéro 2. Numéro 3, Major Lazer. Numéro 4, le Sulois. Tout le monde, tous 12 minutes. Et numéro 5, la langue de Romano qui s'appelle. Vous avez 5 bugs qui sont classés. Vous pouvez en faire rentrer d'autres, pour en faire sortir, vous pouvez en faire monter. C'est vous qui décidez, vous votez. Vous pouvez même nous dire maintenant sur le 41-759 les bugs que vous préférez. Et semaine prochaine, nouveau classement à retrouver. Eh ouais, c'était le top bug. Lequel vous préférez dans l'équipe? Moi j'adore Su, moi. Moi j'aime bien le nouveau. J'aime bien mettre genre les heures. Les bugs, moi. Les bugs, tu les aimes tous. Oui, ils s'aiment très fort et ils savent pas lequel. Non, mais j'aime bien la plus de 900, alors. Roxane, tu préfères lequel des bugs de Romano? L'âne Beuillant, la secte Chu, mettre genre les heures, le suédois, le chien. Mettre genre les heures. Ah, mettre genre les heures, ça m'a. Ah, il déchire, mettre genre les heures. Moi aussi, j'adore mettre genre les heures. Oh, il déchire. Oh, bonjour, les heures. Et toi, Raphaël, tu préfères lequel, Raphaël le poilu? Major Lazer. C'est l'ex numéro 1, Major Lazer. Eh ouais. Bon, on verra le nouveau classement, ce sera mercredi prochain, voter comme des malades. Et mercredi, nouveau classement du Top Bug. Cédric, générique, s'il te plaît.